chose dans le 64. Ce jour-là, c'était des ballons qui étaient à vendre. Cet homme est commissaire-priseur. Il est nommé par le garde des Sceaux. Il est sous l'autorité du procureur de la République. Il a une formation en droit, plus un diplôme d'histoire de l'art. Excepté les immeubles qui relèvent d'une décision de justice, dans une vente volontaire, on peut tout vendre. Coupe, là, c'est pour rien, ça. Tout ce qui est ici, 110, 40. Bon, non, moi, j'ai vendu vraiment de tout. Hein. Ça va de la voiture à l'âne, au chien, aux aliments, au bateau, au... pratiquement tout. Hein. Pour vendre ses biens aux enchères, c'est très simple. Après l'estimation par le commissaire, un contrat, qu'on appelle mandat ou réquisition de vente, est signé. Une date est fixée. Le commissaire devient alors vendeur et argumente. Il y a des fois on aime ce qu'on vend, il y a des fois on n'aime pas ce qu'on vend. On peut pas être passionné de tout, mais chaque commissaire-priseur a un petit jardin secret et a une passion. On vend mieux ce qu'on aime. Et puis on conseille aux amis, aux clients, on dit prends ça c'est bien, ou allez-y. On a comme ça des choses qu'on, quand on les aime, on fait partager sa passion. Et bien sûr, comme tout peut se vendre, il peut parfois y avoir des surprises. Des choses incongrues, j'en ai vendu pas mal, des choses. Et puis alors, ces choses surtout que j'ai vendues dont je ne sais pas ce que c'est, ce que j'appelle moi des objets non identifiés. Parce que de temps en temps, on trouve des choses, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, il y a parfois quelques anonymes au téléphone. Personne ne sait qui c'est, mais ce sont de gros clients. Pratiquement, maintenant, tous les gros acheteurs ne veulent pas être présents. Pour quelle raison ? Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils achètent. C'est souvent des étrangers. Ils viennent pas jusqu'en France. Beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Russes. Je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus un objet chinois correct en France. À la vitesse où ils emmènent les choses. Mais il faut se mettre à leur place. Hein. Ils disent qu'ils sont des gens exceptionnels puisqu'ils nous achètent ce qu'on leur a volé. Ce qui est un peu vrai. 6 000. Bon, messieurs, dames, la vente est terminée. Je pense qu'il ne sera pas démonté. Non.